Eh, est-ce que vous m'entendez? On est là. Eh, salut à tous, c'est Skyrobes, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une petite session d'une heure sur Call of Duty MW2. Une heure parce qu'après bah, j'ai un rendez-vous, mais je me suis dit pourquoi pas se faire une petite session d'une heure et du coup on va activer un jeton de double XP. Et merci à Marcus Wolf 86 qui s'abonne pour le 16e mois, pour l'état 1208 qui s'abonne, bienvenue à toi. Après j'en profiterai, bon là je vais jouer un petit peu avec la SCAR et le snipe parce que bon j'avais envie un petit peu. Mais après je pense que j'en profiterai pour monter peut-être des armes un peu plus compliquées, tu vois. Alors les jetons, ils te les mettent sur ton compte automatiquement, il n'y a rien à faire. Si t'as précommandé le jeu, t'as automatiquement les jetons. Si t'as pas précommandé le jeu, bah t'as pas de jetons. Voilà. Sécuriser les points stratégiques. Bah ouais, bah non, attends. Je suis pas encore très très chaud là, donc si jamais tu pouvais... D'accord. Si jamais vous pouviez être nul, en face s'il vous plaît, hein, histoire que je m'y mette un petit peu quoi. Ah, les gars ils sont déjà en série de 5 et tout, voilà. Et franchement, la SCAR, elle régale. J'adorais la SCAR, moi, avant. Bah, je l'adore toujours, voilà. Soyez prêts. Ah, merde. Oh, il y a le général de Gaulle avec nous. Je savais pas qu'il jouait à Call of, le général de Gaulle. Vous saviez, vous? Vous saviez? Personne me l'a dit. Ah! Ah! Je me suis vraiment brûlé les yeux. Ah ouais, ouais. Bon lui il est resté là, il dit, on sait jamais. Je pense que ça peut respawn là, non? Ah merde, non. Et en plus... Merde, non, bah non, mais me tue pas, mais t'es con ou quoi? T'as pas compris le but du jeu? Je vous tue, vous mourrez. Normalement, c'est comme ça qu'on sait le mieux, quoi. Putain, que c'est long à viser cette merde! Je sais pas pourquoi je chante ça. Ah, y'en a un là-haut. En tout cas, il tape ce sniper. Il est long, mais il tape, hein. Ouais, je sais que t'es à la fenêtre, toi. Mais arrête, putain, mais arrêtez, merde! Enfin! Vous commencez à me courir sur le Raiko, là. Putain, la SCAR, elle est vraiment bonne, hein.
Mama, mama. Ouh. La Scar est vraiment bonne. Elle met... Enfin, pardon, je sais pas pourquoi j'allais chanter alors que je ne sais pas... Oh putain. Oh putain, mais putain mais quelle idée. C'est une demi-heure pour lancer un putain de drone. Une demi-heure, frérot. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux. J'étais flash, pigeon. Ah merde. 34 minutes et 27 secondes précisément. Ouais, ça se vaut. Bon, 8 marqueurs. Bon, là, en même temps, j'ai tiré dans le mollet. La cuisse, plutôt. Pour être précise. But very precise. Putain de saloperie. Bon, on est à mi-chemin de la victoire. Continuez comme ça. Bon. Tu peux revenir s'il te plaît? C'est parce que si je dézoome, ça va être trop long à rezoomer. Hein. Ah putain! Ah! Oh mec! Ah c'est vraiment, mais c'est. Frérot, c'est Call of Duty! C'est incroyable, c'est le code timing, mec. C'est une loi universelle. C'est... J'entends marcher dans le coin. Drone allié actif. Personne ne saura que je suis là. Non. Oh le karma. Mais t'es con, mais putain, mais bute-le, imbécile. Mec, il a dû me regarder avec quelqu'un, il fait « T'as, il faut chier ces campeurs !» Et il aurait raison. You dare. Oh, j'aurais pas aimé être à ta place, bouffon. Kamehameha. Y'a un gars là. Qu'est-ce que c'est que je vois le rouge là? C'est quoi le truc rouge? Eh, c'est l'arme qu'on voit à gauche là. Excuse-moi, j'étais en train de regarder le reflet de mon arme. Ah, les camouflages sont... Bah, les meilleurs camouflages, quoi. C'est parfait. Merde, je regardais pas. Allez, viens là, je sais que tu veux venir. 1, 2, 3.
dommage. Ah, le orange est stylé en plus, ça c'est la variante de la bêta. Ah merde, bah oui, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? La variante de la bêta, il y a des trucs verts dessus et tout, ça fait trop beau. Et la SCAR, franchement, j'ai mis un canon court, elle est super mobile, elle tape, elle a un bon bruit. J'espère que ça sera une bonne année pour la SCAR sur Warzone. Enfin, pas trop! Parce que moi, c'est ma petite arme du sous-côté à moi, tu vois. Les gens, ils la sous-estiment, mais moi, je sais. Et pour beaucoup, nous sachons même. Salope! Prix, saloperie! Bah ouais, bah oui. Forcément Skyros, réfléchis un peu, il y a un poteau, tu jettes au milieu, tu dis poteau. Y a pas but si c'est poteau. Ah. T'as vu ça? On s'est fait doubler sur le fil. Oh, non, man. Bah non, je dis pas de gros mots, moi. Ah bah non, mais c'est pour les... Non, non, je dis pas de gros mots. Eh, la mire, elle est incroyable aussi, de la SCAR. Franchement, je sais pas pourquoi la SCAR, j'ai toujours eu un petit faible. J'ai aucune idée. Bon, petit 47 kills, bon, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Ouais, le feeling de l'arme, mais tu vois, mais moi déjà, même sur MW 2019, sur Warzone, j'adorais la SCAR et... elle a toujours, tu vois, mais bon...